Une demi-tonne de barbe à papa qui est là, on sait pas comment ni pourquoi. De la barbe à papa dans une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires, c'est comme les merguez. Personne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Ils nous répondent et nous disent allô. La barbe à papa émet un signal radio. Oui. C'est dans votre tête tout ça. Ce n'est pas possible. Moi je le crois, Didier. Moi je crois à tout ce qu'il a vu. Bonjour, c'est le Cinéma de Papa pour une nouvelle chronique sur la série OVNI, dont la saison 2 vient de sortir sur Canal+. Et j'avais envie de revenir dessus, car la première saison déjà m'avait beaucoup plu. Et cette saison est encore meilleure, je trouve. Et j'avais envie de revenir dessus parce que c'est une série, pour moi, du coup, importante. Et qui est malheureusement trop rare sur les écrans français, enfin dans les productions françaises de séries. Une série de genre, une série... à la fois humoristique, qui brasse beaucoup de genres et de sous-genres, et j'ai trouvé que c'était une réussite quasi totale. Donc la série a été créée par Clémence Dargent et Martin Douer, et réalisée pour la totalité par Anthony Cordier. Et donc c'est la même équipe que la saison précédente, et on sent vraiment une homogénéité dans toute la série, une continuité vraiment assurée d'épisode en épisode, et on sent vraiment l'esprit troupe au sein de cette création de série. La série ne se disperse pas dans différents styles où chaque épisode serait réalisé par un réalisateur différent et qui apporterait à chaque fois une touche différente. Là, on est vraiment dans une série qui est homogène. Donc la série prend la suite directe de la première saison, qui racontait l'histoire de Didier Mathure, un astrophysicien réputé, qui suite au crash d'une fusée, se retrouve placardisé au GEPAN, un organisme au sein du CNES, qui étudie les phénomènes d'OVNI. Et Didier, c'est un esprit un peu cartésien qui va devoir revoir un peu toutes ses certitudes face aux événements qui s'apprête à vivre. Et donc cette saison 2 prolonge cette plongée dans le fantastique. Je vais revenir d'abord sur le scénario de la série dans son ensemble. Je trouve que les auteurs ont vraiment réussi à apporter une vraie touche fantasque à leur série, qu'ils ont vraiment réussi à inventer un univers cohérent de A à Z. C'est quelque chose qui est à la fois très poétique par rapport à certains personnages sur lesquels je reviendrai, qui est à la fois hyper drôle parce que y a des scènes franchement qui sont décalées, mais alors là dans cette saison il y a des scènes, notamment une scène de chanson, vous constaterez en la voyant, mais c'est drôlissime et on s'ennuie jamais. Le rythme d'écriture, et à la fois c'est aussi dans la réalisation, mais ce rythme d'écriture, il y a toujours un rebondissement, quelque chose qui nous amène quelque part ailleurs, et ça ne s'arrête jamais jusqu'au final. Et c'est assez jouissif à suivre, parce qu'on n'est jamais perdu, d'une part. Alors certes, il y aura certains termes techniques, scientifiques, tout ça, qui peuvent nous échapper éventuellement, et je pense que c'est un petit peu souhaitable pour adhérer complètement au truc, mais ça ne perd jamais le spectateur, et on a affaire à une vraie enquête, finalement. Parce que sous ces airs drôles, un peu foutraque et tout, la série est hyper pointue finalement sur cette partie enquête qui se tient de A à Z. Et quelque part, alors je sais pas si c'est une inspiration des auteurs ni rien, mais au final j'avais l'impression d'être devant une sorte de Dark, la série allemande qui était sortie sur Netflix, un peu à la sauce OSS 117, avec ce travail d'humour, de reconstitution aussi, et de pastiche aussi des années 60-70. Et c'est une réussite totale à mon sens, parce que on retombe toujours sur nos pattes dans le récit, on est vraiment accroché aux personnages, on aime les personnages, ils sont super bien écrits, et puis on est vraiment impatient de voir l'aboutissement de tout ça. Et cette saison, plus que la précédente, remet un peu en perspective des problèmes actuels. Il y a le nucléaire est évoqué, le statut des femmes dans les hauts postes et tout ça est évoqué, on parle aussi de migration, de réfugiés, tout ça. Et c'est quelque chose qui pas forcément hyper prégnant dans le récit, je veux dire, ça prend pas le pas sur le reste, mais en tout cas c'est là, et ça fait écho évidemment à nos problématiques actuelles, et c'est plutôt bienvenu, je trouve. Au niveau de la réalisation, du coup c'est Anthony Cordier qui avait réalisé les épisodes précédents, qui revient pour ses 12 épisodes. On sent chez lui vraiment tout le plaisir qui peut être le sien à être à la tête de cette réalisation.
parce que on sent que dans chaque mouvement de caméra, dans chaque décor qu'il exploite, dans chaque je sais pas, n'importe quelle situation, on sent qu'il prend un plaisir fou à filmer tout ça et que et qu'il aime beaucoup ses acteurs. Ça se sent dans la façon qu'il a de les filmer. J'ai trouvé que sa réalisation était vraiment d'une élégance folle. C'est ce que j'avais senti déjà sur la première saison, mais là je trouve qu'il a poussé encore plus loin certaines choses. Évidemment, il va vers un côté rétro de temps en temps, mais à la fois il apporte quand même beaucoup de modernité qu'on retrouve par-ci par-là. On sent aussi peut-être, alors peut-être que je me trompe, peut-être que ce ne sont pas du tout des influences pour lui, mais des touches un petit peu de Spielberg aussi. Alors Spielberg était évoqué dans la première saison, mais là j'ai l'impression qu'il y a certaines scènes, notamment de nuit, qui font beaucoup penser à Rencontre du Troisième Type, à toute une galerie de films auxquels Spielberg est rattaché, E.T., etc. Bah moi je m'y retrouve totalement en fait dans ce genre d'influence, donc j'étais vachement pris dedans. Il y a un gros travail de reconstitution, que ce soit les décors, la direction artistique est dingue, enfin, en termes de couleurs, en termes d'accessoires, en termes de décors, tout est de costumes, tout est vraiment juste, tout tombe vraiment comme il faut. Ça fait penser un petit peu à ce que Michel Hazanavicius a pu faire avec ses deux premiers OSS, dans cette façon de croquer un petit peu l'époque qu'il raconte, les codes visuels aussi qui étaient ceux de l'époque. Et je trouve qu'Anthony Cordier le rend très très bien, en fait, que ce soit en termes de rythme, en termes d'image, en termes de narration pure, en fait, je trouve que ça passe vraiment très bien. On a la musique de Till Lassine aussi qui apporte beaucoup à l'ambiance générale, à l'œuvre globale. Ces touches de synthé, voilà, qui apportent un petit côté aussi rétro, finalement, à la série. Et que ce soit le thème principal qui est utilisé dans le générique ou certaines musiques d'ambiance aussi, nocturnes, des trucs comme ça, je trouve que ça marche quasiment à tous les coups, donc c'est parfait. Au niveau du casting, c'est là où la série marque encore beaucoup de points, c'est que chaque acteur est incroyable finalement. On a des personnages qui sont tous hauts en couleur, tous plus barrés les uns que les autres, mais on a Melville Poupeau, comme on le voit assez peu finalement au cinéma, qui lâche vraiment les chiens dans l'absurde, qui est dans un personnage encore plus loufoque que dans la première saison. Et son personnage de Didier Mature, moi je trouve que c'est une réussite totale, il est ultra touchant, on s'attache vraiment à lui, même s'il est pas toujours... Enfin, dans la première saison surtout, il était pas forcément toujours très agréable, toujours très pertinent dans ses choix et tout. Là, c'est moins le cas dans cette seconde saison, mais je trouve que Melville Poupeau lui apporte beaucoup d'humanité, que ce soit dans sa façon de jouer, de poser les mots, dans sa façon de s'adresser à certains personnages, comme Vera par exemple, dans sa façon d'être un peu blasé aussi de certaines situations. Là, dans cette seconde saison, en plus, le personnage a beaucoup évolué, je trouve. Et du coup, Melville Poupeau le joue hyper bien. On a Michel Villermoz qui est un petit peu la caution cartésienne de la série, puisqu'il est un petit peu plus rationnel, un peu trop même d'ailleurs. Mais son couple avec Jonathan Lambert est hyper sympa à suivre, enfin en début de saison. Je trouve qu'il apporte beaucoup d'humanité aussi à son personnage, Michel Villermoz. Il est tout à fait à sa place dans l'équipe, en tout cas, du GEPAN, donc c'est super acteur, super personnage. Quentin Dolmer a vraiment beaucoup de poésie en lui, je trouve. Et ça se ressent dans son jeu. Il a une façon très enfantine de jouer. Dans son duo avec Vera, enfin Daphné Patakia, est vraiment hyper touchant, hyper mignon en fait. Et je trouve que Quentin Dolmer apporte beaucoup, dans sa façon de jouer, dans sa façon de poser les mots aussi. Il m'avait déjà beaucoup plu dans la première saison. Là, on sent que son personnage aurait voulu autre chose à un moment donné. Au début de saison, on sent qu'il s'est un petit peu retiré de tout ça. Mais sa façon de revenir est à la fois un petit peu téléphonée, mais à la fois hyper, hyper touchante, hyper drôle en fait, parce que finalement, le GEPAN, c'est sa maison. Donc voilà, il est vraiment bien, Quentin Dolmer, dedans. Et on a Daphné Patakia qui est vraiment exceptionnelle dans la série. Je l'avais trouvée déjà exceptionnelle dans la première saison. Je l'ai revue dernièrement dans Benedetta aussi de Paul Verhoeven où elle tenait quasi le rôle principal. Et je trouve que c'est la révélation de la série depuis le départ. Elle est solaire, elle a un jeu pareil un peu enfantin, très poétique finalement. Et je trouve qu'elle apporte beaucoup de candeur à la série. Et je crois que l'identité même de la série dépend beaucoup d'elle finalement. Même si Melville Poupeau est hyper important aussi, enfin c'est le premier rôle, mais je trouve que le personnage de Vera est vraiment une sorte de note d'intention de la série, et je trouve qu'elle le joue vraiment magnifiquement. Moi j'ai beaucoup apprécié cette seconde saison parce que je trouvais qu'elle allait plus loin dans les références.
Je vais passer un petit peu en partie spoiler parce que je voudrais pas gâcher la surprise, mais en gros, toutes les références qui sont faites à Superman, dans 78 ou 79, le film de Richard Donner vient de sortir au cinéma et c'est un phénomène. Et du coup, le fils de Didier Mathur parle beaucoup de ce film qu'il a vu et apprécié. Didier Mathur ne l'a pas apprécié. Et il y a toute cette question sur la filiation. Didier Mathur apprend qu'il a été adopté, puisque ses parents ne sont pas ses vrais parents, enfin ses parents biologiques. Et du coup, il y a toute cette question autour de la recherche de la figure paternelle, enfin voilà, qui est incarnée un petit peu par Bastien, le fils de Didier. Et finalement, on a cette révélation à la fin, du coup, que Didier Mathur a été adopté et que j'ai pas envie d'en dire trop, mais voilà, il y a ce lien au personnage de Clark Kent, du coup, qui est assez évident. Et je trouve que c'est hyper fin d'avoir joué le truc comme ça, parce que au final, ça va relancer déjà, pour une saison 3 éventuelle, ça va relancer un petit peu, ça va remettre les cartes sur table. Donc ça peut être une bonne idée de poursuivre là-dessus. Ça peut être à la fois très casse-gueule aussi pour la suite. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était hyper classe, que le final m'a foutu vraiment des frissons, parce que je le voyais pas du tout venir, à part 5 minutes avant. Je me suis dit, oh là, ouais, du coup, par rapport aux révélations du personnage de Nicole Garcia, d'accord, ok, peut-être que... Et au final, ça m'a vraiment pris, j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne idée. Maintenant, il va falloir assurer derrière pour faire de cette bonne idée une ligne directrice pour la suite, et j'attends du coup la saison 3 avec une grande impatience, et j'espère qu'elle saura répondre vraiment à ces questions. Donc moi, je trouve que c'est une série ultra essentielle qui rappelle vraiment qu'en France, on sait faire des séries de genre, qu'on sait faire des séries qui soient classe, qui soient poétiques, qui soient un mélange de plusieurs genres et qui arrivent à faire une identité vraiment propre, quelque chose de très marqué. Et je trouve que Clémence Dargent, Martin Douer... Anthony Cordier ont fait un super boulot et que leurs acteurs sont magnifiques dedans et que c'est une série qui m'a énormément plu et que sous ses apparences un peu légères, un petit peu je trouve qu'elle raconte beaucoup de choses, que rien que dans son respect de ses personnages, dans sa façon d'aimer ses personnages, elle vaut le détour. Et puis c'est une série qui est vraiment hilarante. Donc voilà. Donc je vous conseille d'aller voir OVNI si ce n'est pas fait. La première saison est toujours disponible, je crois, sur MyCanal. La deuxième saison vient de sortir sur MyCanal aussi. N'hésitez pas à vous faire ou vous refaire tous les épisodes et à venir laisser un commentaire ce que vous en aurez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao !